En fait, c'est Steph qui est venu me voir à un salon, d'ailleurs un salon de la musique à Paris, et qui m'a présenté son travail, qui m'a dit si un jour tu veux travailler sur un produit spécifique, tu me contactes. Et j'avais envie d'avoir une distorsion spéciale, un peu particulière, et donc il s'est prêté au jeu, et on a travaillé ensemble pour obtenir ça. Donc, c'est-à-dire que le son de la guitare, en fait, elle passe uniquement par ça, c'est-à-dire si j'enlève, je suis en son totalement clair. Donc c'est vraiment elle qui donne la distorsion. Alors l'idée étant que ça soit à la fois précis, et en même temps assez chaud, et en même temps assez naturel, et pour pouvoir jouer sur n'importe quel ampli, suivant la situation, même quand il fait chaud, et qu'on est sous une tente. Et ça, par exemple, combien de prototypes de pédales il t'a envoyé ou vous avez échangé? Alors, je pense 6 ou 7, 6. Jusqu'à arriver à celle-là, et donc celle-là, donc Elena, c'est la marque, on peut la trouver dans toutes les boutiques ou c'est chez lui, sur site internet? C'est sur site internet pour l'instant, oui. Voilà, d'accord. Donc LNA, c'est la pédale de... Donc c'est... C'est mon modèle, Steph. C'est mon modèle. Ça fait pas rêver. Un jour, toi aussi, tu seras devant le château et tu diras c'est mon modèle. C'est mon modèle à moi avec mon nom marqué. C'est Patrick Rondard et on est à Graines de Guitare 2013. C'est parti!